matin, Greg monte le trotteur, enfin le trotteur, le pousseur, je sais pas comment on appelle ça, que Gabin a eu à Noël. Oui, un trotteur multi-activité en bois comme ça. Alors pour tout vous dire, j'ai essayé de le monter hier moi-même, mais j'ai abandonné en 5 minutes. C'était vraiment trop compliqué. En plus, il faut avoir une visseuse. Enfin, voilà, j'ai pas réussi toute seule. Donc, heureusement que Greg Guyver est là. Et ma voix n'est plus là. J'ai vraiment attrapé un gros rhume et j'ai plus de voix. Hello à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, excusez un petit peu ma tête, hein, toujours d'enrhumée. J'ai mis, on dirait, une grosse patate tout rouge. J'en profite. Donc là, on est début d'après-midi. Je profite que Gabin fasse dodo pour faire un montage vraiment d'une vidéo spéciale qui sortira dimanche sur ma chaîne. Alors rien à voir avec le projet, hein, mon livre, etc. Enfin, c'est terminé. Enfin, voilà, je vous l'ai révélé. Je vais pas vous embêter plus longtemps que ça avec. Mais là, c'est un autre projet en fait. C'est un autre projet qui voit le jour dimanche. Voilà. En fait, toutes les semaines, tous les dimanches, je sors un nouveau projet. Donc, il y en a plus d'autres après. Je pense pas. Mais trop contente. Voilà. Donc, j'espère que dimanche, vous serez au rendez-vous sur cette chaîne à 10 h, pile poil 10 h aussi. Voilà, je suis hyper pressée de vous montrer ça. Je suis en train de faire le montage et je suis plutôt fière de moi pour le montage d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'en fait, avec les vlogs, il n'y a pas trop de montage à faire. Et là, c'est pas un vlog, c'est autre chose qui va vous plaire. Ça y est, il est réveillé, les gabinous, avec ses cheveux en pétard. Les cheveux en pétard. En pétard. Là. On remet le pantalon. Hop, hop, hop. Et voilà les petites chaussettes. Donne tes petits pieds. Tes petits pieds, ils s'avouent tes petits pieds. Gabin n'est pas du tout coopératif quand je le change. Je ne sais pas si vous avez des bébés coopératifs, mais Gabin, non. Il bouge dans tous les sens. Il donne des coups de pied dans le ventre. Hop, allez, le deuxième pied. Et voilà, donne ça, donne. Ah, t'as vu la caméra? Tu as vu la caméra? Ouais. Ça y est, Gabin découvre son nouveau trotteur porteur. Trotteur, je vais y arriver. Et lui, tout ce qui l'intéresse en ce moment, c'est les trucs qui tournent. Il veut juste trouver des trucs qui tournent comme ça. Voilà. Donc là, il est ravi. C'est parti pour un quart d'heure. Ça tourne! Gabin! C'est cool? Oh là là! Oh là là! Bon, sinon les filles, trop bonne nouvelle. On a réussi à baisser les frais d'entrée pour demain, le vide dressing. Voilà, c'est demain les filles. J'espère vraiment qu'il y en aura qui seront là parce que j'aimerais trop vous rencontrer. Je me dis que c'est l'occasion. Donc c'est sur l'île, vide dressing entre influenceuses. Donc il y aura plusieurs influenceuses qui videront son dressing mode déco. Donc c'est au Wallis Café. Et entrée, du coup, on a baissé à 3 euros. Je suis trop contente parce que j'étais trop gênée de vous annoncer 5 euros l'entrée. Je trouvais que ça faisait un peu cher. Et là, 3 euros, voilà, c'est vraiment pour l'agence qui organise, pour le lieu aussi, pour le Wallis Café. Et voici donc les influenceuses présentes. Et donc c'est toute la journée, c'est à partir de 11 h, donc de 11 h à 17 h. Et je viens de taper dans Google le Wallis Café pour vous donner l'adresse précisément, 133 rue du Molinel. Donc voilà, à demain les filles. Du coup, je vous avais pas montré le vase que j'ai acheté chez Jiffy récemment. Voilà, on l'a posé sur le bahut. Et vous êtes nombreuses à me demander souvent d'où vient cette horloge. Elle vient de Maison du Monde. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse, si elle y est encore. Mais voilà, c'était un gros coup de cœur. C'était, je sais plus, c'était pas le Noël dernier ou... Je sais plus quand est-ce que je l'avais eu. Mais bref, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et du coup, bah, c'est vrai qu'elle est imposante, mais au moins, on la voit pas partout.
et puis voilà, moi, je l'aime bien, je trouve que ça suit un peu avec la déco. Donc du coup, comme on a enlevé tout ce qui était la déco de Noël, là, le village de Noël, on a remis mais moins de choses encore. Normalement, il y avait encore un cadre. Moi, j'ai envie de le mettre, mais Greg ne veut pas, il m'énerve, il enlève tout. Il y a ce cadre-ci que j'aime trop. Donc moi, je sais pas, je trouve une autre place. Faut que je trouve une autre place pour lui parce que je l'aime trop. J'ai pas envie de le mettre dans un placard, il est trop beau. Quand on voit Gabinou, tout bébé. Oh là 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 là. Il avait 10 jours. Voilà, les souvenirs. Bon, les filles, ce soir, j'ai fait un article de blog, ça faisait un petit moment, justement sur mon livre. Hop là, comme ça, quand on clique dessus, je vous mets dans la barre d'infos comme d'habitude. Quand on clique dessus, voilà, j'ai parlé un petit peu, j'ai expliqué la première partie, deuxième partie, troisième partie. Vous avez le sommaire pour le voir mieux ici. C'est vrai que dans la vidéo où je vous annonce le projet, je vous l'ai montré, mais on ne le voyait pas bien bien. Et puis voilà, si vous voulez le retrouver facilement pour voir de quoi mon livre parle exactement, voilà, il est ici. Et du coup, ben, il y a le lien ici pour le commander, sachant que c'est jusqu'au 4 février. Donc il reste plus que 3 jours pour pouvoir le commander. Après, il n'y en aura plus parce que on va imprimer uniquement le nombre de commandes qu'il y aura eu. Greg n'est pas rentré, moi j'ai le nez encore en feu. Voilà, je voulais même pas montrer trop aujourd'hui ma tête parce que franchement là, je me sens pas bien du tout. Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même vous dire au revoir face caméra avec mon nez rouge tomate. Ouais, Greg n'est pas rentré. Du coup, il travaille avec un copain, enfin il aide un copain à rénover un appart. Du coup, ben voilà, comme c'est Greg Guyver qui sait tout faire, du coup c'est vrai que c'est pas mal, il sait faire pas mal de choses, il l'aide pas mal. Mais du coup, ben moi je suis toute à la maison, donc eh bien je vais me coucher, je vais pas l'attendre parce que je sais même pas à quelle heure il va rentrer. Je vais aller me coucher parce que demain matin c'est à mon tour de faire le biberon du matin. Quoique maintenant, gamin se lève un petit peu plus tard que d'habitude, hein. Là en ce moment c'est 8h. Donc ça fait du bien. Ce matin, c'était même 8h30, donc c'était génial. Mais en général, c'est 8h maintenant. Demain, ça va être une grosse journée tri dans mes vêtements pour le vide-dressing de samedi à Lille. Je pense que ça va aller niveau route. Il va pas neiger, donc ça devrait aller. Ouais, j'ai pas mal de choses à trier. J'aimerais bien faire les prix déjà avant pour être d'arriver là-bas et que voilà, tout sera genre tout à 5 euros, tout, voilà, ce sera vraiment des tarifs, des petits prix comme ça. Voilà, j'ai envie de me débarrasser de pas mal de choses. Je sais même pas si j'arriverai à tout transporter parce que Greg n'est pas là dimanche, il est à l'enduro du Touquet. Du coup, bah, je serai toute seule à y aller et enfin voilà, transporter. Je dis qu'il va pas neiger, mais je vois des flocons tomber là. Oh, mais il neige. Ah non! Ah! Oh, mais j'espère que Greg ça va aller pour rentrer. Oh, il neige bien en plus. Oh, bah franchement, je m'y attendais pas. Je voulais vous montrer la neige du Velux, mais en fait, on voit rien parce que le Velux est recouvert de neige, forcément. Donc là, je vois même plus dehors. Du coup, je vous montre ici. Je fais pas trop de bruit parce que je suis dans le couloir et comme Gabin dort. Mais voilà, là, on voit bien la neige tomber. Waouh! Donc je pense qu'on va encore avoir une bonne couche demain. Vous savez quoi, j'ai le nez tellement irrité que je suis en train de mettre c'est du beurre à lèvres, du baume à lèvres sur mon nez. Parce que là c'est tout irrité et en fait ce beurre-là de Hello Body, il est hyper riche et il est vraiment très gras. Donc du coup je le mets là. On verra bien si ça pourra faire quelque chose ou pas parce que là... Je fais part comme ça. Bon, sur ce, bien moi je vous laisse. Oui, il y a du bordel derrière, il faut que je range tout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, enfin, des bisous de loin, hein, pour pas vous remettre mes microbes. Et à demain pour la prochaine vidéo.